Je n'arrive pas à le croire. Oui, ça me paraît impossible à moi aussi. Oh. Il n'existe qu'une seule paire de bottes magiques. La Peach est le seul qui ait des bottes magiques. Non, pas du tout. Regardez, tenez. Vous voyez cette photo? C'est celle du grand Bombasto. Il a des bottes magiques dont il fait la démonstration dans un grand spectacle acrobatique et après ça, il en vend des tas de paires. Je n'en ai rien à faire de ce que tu racontes. J'en aurais acheté si j'avais eu de l'argent. Elles ont l'air encore plus magiques que tes bottes magiques, la Peach, tu sais. Vous avez entendu ça, mes bottes? On dirait que vous n'êtes pas les seuls à être magiques. Elles n'ont pas l'air d'accord avec ce que tu dis. Tant pis alors. Mais je sais ce que j'ai vu. Oui, ces bottes étaient magiques. Non. Oh bah. Est-ce que vous le croyez, vous? Impossible. Personne ne peut faire des bottes magiques aussi bien que le maître. Je ne suis pas le seul inventeur du coin, tu sais, la Peach. Quelqu'un d'autre a pu en fabriquer une paire, mais jamais aucun bruit de cet ordre n'est parvenu à mes oreilles. Donc cela reste à prouver. La plupart des inventeurs ne résistent pas à faire connaître leur nouvelle création. Il est dit que notre ville est sa prochaine étape. Ben oui, alors. Eh bien, profitons-en pour voir ces fameuses bottes. Quelle drôle d'idée, Lisa. Pourquoi aller perdre son temps à aller voir des bottes qui ne peuvent sûrement pas être plus magiques que les miennes? Mais tu es jaloux, ma parole. La Peach, jaloux. Des bottes plus magiques. Je suis pas jaloux. Tu te trompes. Apparemment, cette espèce de Bombasto est déjà parti escroquer d'autres acheteurs trop naïfs. Il s'appelle le grand Bombasto. Tiens, regarde. Oh, oui, ça m'est égal. Il est jaloux. Jaloux. Botte magique, Bombasto, botte magique. Venez voir. Oh mon Dieu! C'est de bonnes magies! Oh, jamais vu ça! Oh, 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 là oh, oh, là. Bravo! Oh, eh bien, si cela n'est pas de la magie, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bottes magiques à mon commandement. Montrez à ces bonnes gens enthousiasmés de quoi vous êtes capables. Tu n'es toujours pas convaincu, la Peach? Eh bien, si... C'est exactement mon avis. Allez, venez tous les deux, allons voir ça. Oui, oui, allons-y. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous montrer la rapidité de ces bottes magiques. Je ne t'ai jamais vu courir aussi vite avec tes bottes magiques. C'est parce qu'elles ne font pas de cinéma. N'est-ce pas, mes bottes? Vous avez raison, on s'en va. Hé, hey, où est-ce que tu vas, la Peach? On en a vraiment assez de ce cirque. J'ai l'impression qu'elles sont jalouses, elles aussi. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu! Me projeter dans l'espace à des vitesses vertigineuses, je peux tout faire et plus encore grâce à mes bottes super magiques! Alors, qui en veut une paire? J'en veux une, moi, monsieur! J'en veux une! Je me demande ce qu'il y a derrière toute cette affaire. Au
qu'aucune botte ne peuvent courir aussi vite que vous. Doucement, mes bottes, doucement. Je le sais bien, moi, que vous êtes très rapides. Attention, les gars, je peux pas m'arrêter. Trop tard. Désolé. Alors, comme ça, tu t'entraînes. Comment, pourquoi, à quelle heure est le train? Otis, on peut te voir. Mets ton capuchon. Elmer, Brunhild, cachez la tête de cet idiot avant que quelqu'un ne le reconnaisse. Il faut pas qu'on rate la vente des bottes. J'ai pas raison, patron. Non, tu as tort. Seul un idiot achèterait des bottes à cette crapule de Bombasto, ce qui est normal, puisque les idiots se font rouler facilement. Mes bottes n'avaient jamais couru aussi vite avant. C'est dommage que Lisa n'ait pas été là. Elle aurait été moins impressionnée par celle de Bombasto. Alors, tu es jaloux, la Peach? Non, mais je... Mais je pense que ce Bombasto est en train de tromper tout le monde. La Peach a raison. Que nous importe qu'il soit jaloux ou non, on doit toujours se méfier du baratin d'un habile vendeur. Hé, regardez tout le monde! J'ai des bottes magiques à moi toute seule. Sortons, je vais les enfiler et je vous montrerai ce dont elles sont capables. Oh, Seigneur, c'est ce que je craignais. Tout ce que je vous demande là, c'est de m'aider à bouger, à moins que vous ne soyez trop fatigué par votre course de tout à l'heure. Et voilà. Bonne chance. Je n'en ai pas besoin. Ces bottes peuvent m'envoyer d'un seul bond jusqu'à la lune. Regardez. Oh. Il faut peut-être leur dire ce qu'elles doivent faire. Allez, faites-moi sauter très haut. Oh. Je n'y comprends rien, elles ne réagissent pas du tout. Oh. Essaye encore. Elles ont peut-être besoin de se chauffer. Allez les bottes, sautez, sautez, sautez. Oh, ces bottes sont nulles, je me suis fait avoir. Fais avoir, Lisa, fais avoir. Et que personne ne se moque de moi. Je me moque pas. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Ne t'en fais pas, chérie. Tu sais, on a tous fait un mauvais achat un jour ou l'autre. Oui, mais jamais aussi mauvais que ces bottes. J'ai dépensé toutes mes économies. Oh, je suis si malheureuse. Lisa, attends, non, ça peut arriver à n'importe qui. Non, fais pas ça, laisse-la partir. C'est souvent mieux d'être seule quand on est malheureuse, comme elle l'est maintenant, tu sais. Mais je veux seulement l'aider. Hein? Tu peux l'aider en rendant ses bottes à ce Bombasto et en lui rapportant son argent. Oh oui, elle serait très contente. Je vais faire ça et autre chose. Je vais prouver que Bombasto est un tricheur. Comme ça, il ne pourra plus escroquer qui que ce soit. C'est bien lui, ça. Toujours en train d'en faire plus qu'il n'est besoin. Sautez, voyons, sautez! Ces bottes sont nulles! C'est ta faute! Oui, c'est ta faute! C'est toi qui nous as parlé de Bombasto et de ces satanées bottes! Mais pourtant, elles avaient l'air magiques! Pour une idiote comme toi, sûrement! Oui, désolé, patron, ça ne se reproduira plus. Je l'espère pour toi, Brunhild. Et quant à cette crapule de Bombasto, je vais aller le mettre hors circuit une fois pour toutes.
Je raterais ça pour rien au monde. Personnellement, je suis déjà partie. Oh là là, c'est un escroc. Eh ben, si le grand Bombasto a un peu de jugeote, il est déjà loin d'ici. Bombasto jugeote, loin d'ici. Très bien, mais la question qui se pose est, où peut-il bien être? Vous avez une idée, mes bottes? J'en ai l'impression. En avant. Vous êtes sûr de savoir où vous allez? Ce n'est pas le style de Bombasto de s'installer dans une forêt où il n'y a que des oiseaux et des abeilles à piéger. Oiseaux, abeilles! Je ne vois vraiment pas où il peut être. Bunda, je trouve une piste, Bombasto! Le carrefour, c'est évident. Tous les voyageurs passent forcément par ici. Et notre filou le sait bien. Eh bien, si cela n'est pas de la magie, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Comment fait-il ça? Il doit y avoir un truc, non? Un truc! Ce n'est pas en restant ici qu'on aura la réponse, mais en passant derrière la scène. Botte magique, à mon commandement, montrez à ces bonnes gens enthousiasmés de quoi vous êtes capables. Bravo. Profite-en bien pendant que tu le peux. Tu riras moins dans quelque temps. Rien de suspect là derrière. Je ne vois rien là-dessous non plus. Là! Viens voir! Quoi? Ah, voilà où ça se passe. Oh, 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 arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Ne vous inquiétez pas, brave Jean. Juste un petit problème de mise au point. Vous avez vu, il y a des ficelles. Il y a des ficelles. Mais pas du tout, c'est faux. Regardez-le, il est suspendu à des ficelles comme une marionnette en papier. Vous avez triché, c'est très vilain. Tricheur. Mais non, honnêtement, je ne suis pas un tricheur. Alors laissez-nous essayer vos bottes, comme ça on verra si vous mentez. Laissez-moi, éloignez-vous. Écoutez, on ne peut pas le laisser en si mauvaise posture. Oui, il vaut mieux arrêter la machine. Ah, rigolo! Où est passé Bombasto? Quelqu'un l'a kidnappé. Je me demande qui avait intérêt à l'enlever. Mais qu'est-ce qu'il fait avec Bombasto? De toute façon, on peut être sûr qu'il ne lui veut pas du bien. Et même un imbécile comme ce Bombasto ne mérite pas ça. Allons lui donner un coup de main. Bombasto, imbécile! Ragarou, mauvais! Heureusement que Ragarou ne sait pas qu'on le suit. Il aurait effacé ses traces.
Le problème est de savoir ce que nous ferons quand nous les aurons rattrapés. Ragarou, rattrapez. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je n'entends absolument rien. Écoutez, je suis désolé si vous croyez avoir été escroqué, mais tout le monde a le droit de gagner sa vie. Pas en se moquant de moi, en tout cas. Ne bougez pas d'ici. Il ne faut pas qu'ils nous voient avant que l'on décide exactement ce que l'on veut faire. On veut faire quoi? Je ne sais pas. Je trouverai bien quelque chose, j'espère. Non. Tu vas apprendre que ce n'est pas très gentil de faire miroiter des promesses qu'on ne peut pas tenir. Oui, monsieur, parfait. Monsieur, j'ai tout compris. Tu as compris? Tu peux le jurer? Hein? Oui, oui, vous avez été, on ne peut plus clair. Oh mon Dieu, j'ai déjà vu Ragarou sourire comme ça. Bombasto a de sérieux ennuis. Bon, eh bien tu es libre. Ah, quoi? Vous venez dire que vous le laissez partir, patron? Vous plaisantez? Après tout ce qu'il a fait? Oh, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes le plus magnanime et le plus généreux des rats. Tu peux t'enfuir, mais en passant par là. Si la rivière est rapide, patron. Personne n'est jamais arrivé à la traverser. Tu vois, j'ai fait comme toi. Je t'avais promis quelque chose et je ne le tiens pas. Si tu peux traverser ce torrent, eh bien tu es libre. Bien sûr, ce serait un jeu d'enfant pour toi si tes bottes étaient vraiment magiques. Suivez-le. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Rivière des rapides, Bombasto pas s'en sortir. Je dois aller l'aider. Je me demande combien il a de chance d'arriver de l'autre côté. Ça m'est égal. Je me suis bien amusé. Je vais aller déjeuner. La vengeance est un plat qui se mange chaud. Je veux du poisson. Oui, cette rivière m'a donné envie de saumon. Du saumon avec des petits pains et de la crème fraîche. Oh, c'est trop difficile. Je n'y arriverai jamais. Aidez-moi. J'ai sûr d'être gentil désormais. Je n'escroquerai plus jamais personne. C'est tout ce que je voulais entendre. Qui êtes-vous? Je suis l'ami d'une jeune fille à qui vous avez vendu vos bottes soi-disant magiques. Oh, je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir réparer tout le mal que j'ai fait. Parfait, je vais vous tirer de là. Comment vous faites ça? Vous voyez mes bottes? Elles sont vraiment magiques. Et dans cette rivière, elles m'ont aidé à sauter de rocher en rocher. Accrochez-vous à moi, on y va. Alors ça, c'est ce que j'appelle de la magie. Où avez-vous acheté ces bottes? Ne vous énervez pas, elles ne sont pas à vendre. Alors, comme ça, vous me rendez mon argent. Et qu'en est-il pour tous ceux que vous avez bernés? Eh bien, Lisa, ma chère petite, malgré la difficulté à retrouver leurs traces, je vous promets de tout faire pour les rembourser. Et surtout, n'oubliez pas...
La Peach n'a pas voulu que je lui donne de récompense pour m'avoir sauvée. Alors peut-être accepterez-vous ceci à la place, Lisa? Oh, ils sont vraiment très beaux. Comment avez-vous su que j'aimais la danse? Eh bien, disons qu'une certaine personne me l'a dit. Oh non, je vous assure que vous ne m'aurez pas encore une fois. Ne me dites pas que ces chaussons sont magiques, eux aussi. Vous ne croyez pas que vous avez assez ri à mes dépens comme ça? Je ne me suis jamais moquée de toi, Lisa. Allez, essaie-les vite, s'il te plaît. Waouh, c'est super! J'ai l'impression que mes pieds sont montés sur un sort. Bombasto a été fabricant de chaussons de danse avant de se spécialiser dans l'escroquerie de bottes magiques. Et mes chaussons de danse n'ont besoin que de soie véritable, de pointes résistantes et d'une danseuse douée naturellement pour devenir magique.